Salut à tous, aujourd'hui on poursuit ensemble notre série chez New Lock et je vous emmène bosser ici au Sable d'Olonne avec Caroline qui est responsable de cette belle agence. Allez, suivez-moi. Bonjour. Ah, salut Jerry, comment ça va? Très bien, et toi? Nickel. Bon, j'ai rendez-vous avec Caroline. Caroline, elle est dans son bureau? Elle n'est pas dans son bureau. Essaye, tente ta chance à l'atelier peut-être. Ok, bon bah super, merci. Ouais, allez. Et au fait, c'est quoi pour toi un bon manager, une bonne manageuse? Un bon manager, moi Caroline, c'est mon binôme. Faut être à l'écoute et puis nous, c'est vraiment la cohésion quoi, le comptoir et ma chef. Bon, super. Mais bon, allez, merci. À bientôt. Bonjour. Ah, salut Jerry, t'es arrivé? Ben ouais, tu vas bien? Ouais, ça va bien. Bon, je cherche Caroline, elle m'a dit qu'elle était à l'atelier. Ah, tu viens juste de la louper, elle est retournée à son bureau. Ok, bon, bah, j'y vais alors, merci. Ok. Et au fait, c'est quoi pour toi un bon manager, une bonne manageuse? Ben, un bon manager, je pense que c'est quelqu'un qui a l'écoute de son équipe, qui prend les bonnes décisions quand il le faut et qui tire son équipe vers le haut pour avancer. Bon, ok. Ben, merci Guillaume. Merci Jerry, salut. Bonjour Jerry. Salut Caroline. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, très bien. Bon, je te cherche partout. Oui, désolée, je cours un petit peu partout dans toute l'agence. Je suis ravie de découvrir ton job aujourd'hui. Moi aussi, super contente que tu sois là. Merci. Tu es responsable de l'agence, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça consiste en quoi? Tout simplement, assurer le bon fonctionnement de l'agence, tant avec les clients qu'avec mes collègues. Et puis, le but, c'est que l'agence progresse et puis qu'on atteigne notre objectif à la fin de l'année. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job? Eh bien, le quotidien qui n'est jamais le même. Voilà, la polyvalence du poste. On fait autant du commerce avec la fidélisation de la clientèle, la prospection, de la gestion également, à s'assurer d'avoir le bon matériel sur le parc. Au bon moment. Voilà, pour répondre aux besoins des clients. Okay. Et puis également du management pour que les collègues soient épanouis. Et puis, Combien de personnes dans ton équipe? On est 7 personnes à l'agence. Une équipe jeune, j'ai vu. Dynamique, super dynamique, c'est important. Et puis voilà. Ok. Ouais. Tiens, je te donne la petite tasse New Lock. Oh, j'ai ma tasse New Lock. Voilà, c'est ça. Merci pour le café. Mais de rien, Jerry, c'est avec plaisir. Je le fais tous les matins avec mes clients. Donc, ah bon? Oui, bien sûr, le café est offert chez New Lock. Ils sont chouchoutés. Ils sont chouchoutés. Et le mercredi matin, il y a même le pain au chocolat et la viennoiserie. Oh, fais gaffe, je vais revenir. Si tu veux, avec plaisir. Bon, et toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job? Eh bien, ça fait maintenant 5 ans que je suis chez New Lock. Et comme étude, tu as fait quoi? J'ai effectué un BTS Management des unités commerciales. Okay. Je travaille ensuite dans le domaine bancaire. Rien à voir. Rien à voir, effectivement. Et ensuite, dans une coopérative d'achat pendant 6 ans. D'accord. Je n'avais pas forcément de perspective d'évolution, donc j'ai postulé chez New Lock. Tu as pu évoluer. Tout à fait, c'est ça. Je suis arrivée en tant que commerciale sédentaire, puis j'ai évolué en tant que commerciale itinérante. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable d'agence. Bravo. Ouais, merci. Moi aussi, c'est à refaire, Caroline. Je ne changerai en rien. Le fait d'avoir occupé plusieurs postes chez New Lock m'aide au quotidien dans mon management. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise? Qu'est-ce qui me plaît? L'entreprise New Lock, déjà le groupe Dubreuil, est une entreprise dynamique, jeune. Le facteur humain est au centre de l'entreprise. On est vraiment soucieux que les salariés s'y plaisent. Bon, et quel est ton meilleur souvenir professionnel? Mon meilleur souvenir, ça a été le 21 juin 2016. Très précis. Très précis, le jour où j'ai pu profiter d'un vol en montgolfière avec les clients. Ouais. Et la montgolfière a décollé du parc, donc ici du château d'Olonne, donc avec la vue sur la mer, avec un beau soleil. C'était génial. Et ton pire cauchemar, c'était quoi? Mon pire cauchemar, ça a été l'année dernière. On a été sollicité pour l'Ironman, donc super, mais il a fallu mettre en place 60 WC chimiques. Beau défi. Beau défi qu'on a relevé. Et toi, tu cours l'Iron Woman? Non, je ne cours pas, mais je sportive. Voilà, c'est ça. Toi, pourquoi tu as eu envie de faire ce job? Eh bien, c'était l'inconnu pour moi. Ouais. Il n'y a pas d'école qui forme au métier de la location. T'es une aventurière. On peut dire ça comme ça. Écoutez, bien sûr. Écouter, c'est la base. Écouter les clients, les collègues, et pour ensuite mieux agir. Direction, l'équipe support est toujours à notre écoute et disponible pour emmener l'agence vers la bonne direction. CrossFit, il faut être doué dans différents domaines, c'est comme au travail, le management, le commerce et la gestion. Équité, bien sûr, on ne naît pas tous égaux, donc il faut donner la chance à tout le monde. C'est ça ton management, Caroline? Oui, c'est ça le management. Antoine, un petit peu plus haut. Caroline, merci pour ton accueil merci et la à découverte toi. De ton quotidien ici. Merci, Jerry. Sous le soleil. Des Sables d'Olonne. Si vous aussi, vous souhaitez devenir comme moi, responsable d'agence, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode chez New Lock pour découvrir un nouveau métier et une nouvelle agence. Ciao.